Bonjour les amis, alors je vais vous parler aujourd'hui des pignons en fait, voilà, puisque j'ai commencé à faire les premiers rangs de mes pignons. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait, mais malheureusement je suis un peu limité par l'échafaudage, comme je vous l'ai déjà dit. Et donc, alors avant de vous donner ces explications, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, comme ça vous recevrez gratuitement des actualités sur la construction de ma maison, ce qui pourra toujours vous servir à vous-même si vous avez un chantier en cours ou un projet de construction. Alors, comme vous pouvez voir là, j'ai au-dessus du petit coffrage là qu'on voit là, donc j'ai fait un chaînage horizontal, donc qui est ferraillé et qui est le dernier niveau en fait de la maison. Donc je ne vais pas aller plus haut sur les côtés en fait, sur le côté sud et côté nord. Par contre, sur le côté est et ouest, j'ai deux pignons à construire. Donc, et là j'ai commencé à les construire. Vous voyez, on voit un premier rang ici que j'ai réussi à faire avec un échafaudage de 2 mètres de haut. Et j'ai commencé le deuxième rang du pignon, sachant que mon pignon il va faire 2 mètres de hauteur quand même, sur le point le plus haut. Donc le problème que j'ai rencontré, c'est que j'ai utilisé donc, un échafaudage des tréteaux de maçon que j'avais déjà présenté dans une vidéo précédente. Et ces tréteaux de maçon, donc ils sont réglables en hauteur, vous voyez, on a des goupilles ici. Et on peut les monter jusqu'à 2 mètres de haut. Donc là, ils sont en position, la position la plus haute. Mais, donc ça m'a permis, vous voyez, de poser déjà deux rangs là, par rapport aux pignons. Et de l'autre côté, pareil, j'ai pu poser un rang là. Mais le problème, c'est que c'est quand même pas super, comment dirais-je, c'est pas très très stable en fait. Ça bouge un petit peu, vous voyez, quand on est dessus. Et puis c'est très très haut, donc là j'ai qu'un petit escabeau là pour monter dessus, ce qui fait que ça m'oblige à faire des contorsions pour monter. Et vous voyez, ça bouge, c'est pas terrible, c'est pas très rassurant. Donc de toute façon là je suis coincé parce que je vais pas pouvoir monter beaucoup plus haut. Alors là, comme vous pouvez voir, déjà c'est limite parce que quand on pose des blocs, en fait, il faut obligatoirement être en surplomb, hein, sinon on ne peut pas mesurer le niveau, quoi. Voilà, donc j'ai pu monter. Alors je m'étais dit, tu vas faire le premier rang, ce que j'ai fait. Et il me restait du mortier. Donc ça, c'est un poteau raidisseur, vous voyez, qui se trouve au centre, au milieu des deux pignons, là. Et donc il me restait du mortier, donc j'ai voulu faire ce rang là, mais franchement c'est pas possible quoi. Je l'ai fait quand même, mais j'aurais peut-être pas dû faire ça. C'était pour pas gaspiller deux mortiers. Vous voyez que c'est pas trop recommandé de faire ça quoi, parce que pour le niveau c'est pas, alors c'est deux niveaux hein, c'est pas le souci, mais c'est difficile à faire quoi. Voilà. Donc j'ai mon voisin là qui va me prêter un échafaudage. C'est super sympa de sa part. Et cet échafaudage, c'est pas un échafaudage professionnel. C'est un échafaudage, je crois, qui est roulant. Je ne sais pas si ça va aller. Apparemment, on peut monter assez haut avec cet échafaudage. Mais est-ce qu'on peut aller jusqu'à... Est-ce que ça suffira pour monter mes pignons là? Parce que j'ai encore quand même pas mal de blocs à monter là. Oh ben je vous montrerai ça quoi, je vous dirai comment ça se passe quoi. Voilà. Voilà les amis, donc si ça vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également laisser vos questions, vos remarques, vos commentaires dans le fil de discussion si vous en avez. Et puis vous pouvez également cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.